Deuxième lipo. On va essayer de pas aller jusqu'à la chauffe. 9. Regardez ça, c'est vrai. Il est ressorti ou pas? Un petit ch'touille, ouais, allez. On va redonner un petit coup de pince vite fait. Ah bah c'est bien, c'est la première. Continue. À votre avis, c'est faisable? Sauter par-dessus la barrière? Non, c'est pas assez. C'est pas assez haut. Il y a quoi là-bas?
Mince. Ouais, faut espérer qu'il n'y ait pas d'arbres là. Qu'il n'y ait pas de petites bites de terre. Allez mon Fifi, je veux voir des triple loots et puis tout ça. Tout à l'heure, je vais aller sur le toit de la maison. Ouais. Ça, c'est de la B8 de compète. Je vais me la prendre dans la tronche. Je voulais faire un looping aussi, mais pas réussi. Bon, allez, on va se calmer un peu parce que. Ouais, comment tu veux te calmer avec ça, toi? Ouf! Rien de grave. C'est quoi ça? C'est que des feuilles? Oh ouais, non, c'est que des feuilles. Vire-moi ça de là. Ah, c'est un fil qui est parti, ça.
Et ouais. Donc vous voyez, quand vous entendez ça, c'est que les fils sont plus connectés. Et qu'une chose à faire, sans se brûler, les remettre. Il va falloir que je retarde un peu les petites ailettes pour éviter que ça tire dessus. Oh, c'est rien, hein, ça abîme pas le moteur, rien du tout. Hein. Faut pas forcer, c'est tout. C'est logique. Hop. C'est reparti. Ça fait 5 minutes que je roule. Je sens déjà la coupure. Ouh, le fesse là, ça va pas apprécier ça. Les fesses, ça va pas apprécier. Ouais, il y a un carrossage, quelque chose qui est parti. Non? Ah non, même pas, eh putain. Ah, costaud, TM. Ça va pas m'arrêter pour autant. Allez, j'arrête parce que sinon, elle va être flinguée la V8. Après, je vais pas pouvoir dire que c'est costaud. Un petit peu à l'ombre, hein, parce que ça cogne là-bas. Wouhou, stoppy! Une fois que tu fais des loopings, t'as plus vraiment peur des sauts. Voilà! Petite bêtise! Allez, refroidis un peu, prends de l'air.
Oh, 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 oh. T'as vu, Fifi, triple loot, ça. Ah, je pensais qu'elle allait moins lever que ça, en fait, en redonnant la gouache, et puis... Elle a bien donné, la saloperie. Je voulais juste lever un peu le nez, moi. Faut tirer sur les fesses, comme ça. Oh non. Ouais, il y a le trou derrière. Donc, je crois l'arbre il est pas passé loin. Coupure. Alors coupure lipo ou coupure moteur? Oh, je fais trop de sauts. Je suis en train d'agrandir le trou. Ouais, pourtant. Ouais, hein, quand même. Hein. Même s'il y a le. Donc on a dit. Ah, coupure moteur. Hein, clignote vert. Ben oui, hein. Ça, les dérapages. Les drift. Viens là, copine. Bon, puis à mon avis... La lipo, elle doit pas être loin. Si ça fait comme hier. Ah, puis là, je me suis... bien fendu la tronche avec ma deuxième lipo. Mouah. Température. Moteur. Tadam. Surprise. Ouais, c'était clignotant rouge, hein. Ouais, c'est ça. Clignotant rouge. 75, 70, 76, 2. C'est pas ça. C'est la batterie. Le vario. Il y a combien? 66, 67, ouais, même moteur, pareil. La lipo, 53. Si vous avez vu 55, 56, 4, 48, 42, ouais, puis là, hop, 52, ouais. Allez, refroidis. Ouais, quoi que, c'est ça, hein. J'ai pas été de main morte, alors... Le multimètre. Ah non, 14,54, elle est pas finie. Hein. 13,80 normalement. On va finir après, on va attendre que ça refroidisse un peu.
Ouais, je la berce. Que fais-je? Non, je vais arrêter là. Je vais faire ma troisième lipo au judo. Même le vario, il est bouillant. Punaise. Bon. Sur ce, coupure moteur. Allez, à plus.